bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci aux anciens pour être toujours aussi présents, d'être fidèles. Merci pour vos petits messages. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Je crois que je vous en ai parlé lors d'une autre vidéo que j'avais fait un achat de DP. Voilà. Mais avant de vous présenter le DP, et j'espère et je croise les doigts que je n'aurai pas de soucis, parce que vu la tête du carton, j'ai énormément peur du DP. Je vais vous faire présenter deux produits. Donc le premier, je l'ai acheté sur AliExpress. Voilà, donc Patricia de la chaîne DP tout simplement m'en avait parlé. J'ai fait ma Kinder encore une fois parce que moi je l'ai vu sur une autre chaîne et c'est après remontant dans la conversation avec Patricia, j'ai collecté mon cerveau, j'ai dit mais Patricia m'a parlé d'un truc, est-ce que c'est pas ça, et si c'était ça, ouais. Donc je l'ai acheté à 4,81€, donc je l'ai reçu il y a une bonne semaine. Aujourd'hui on est le 27 juin, voyez, je reviens de mon week-end mariage. Et du coup ça fait une bonne semaine que je l'ai reçu, mais je savais que l'EDP allait arriver et j'ai dit je le présenterai en même temps, je vais pas vous faire une petite vidéo de 2 minutes pour quelque chose. Donc c'est ceci, hop et hop. Donc je pense que ça commence à arriver pas mal sur les chaînes YouTube. C'est un stylet, voyez, donc moi je l'ai pris en blanc. Voilà. Vous allez mettre de la colle, on va dire, hein, comme là vous avez ici. Voilà. Et ça va pouvoir permettre d'attraper les diamants. Et ça évite de mettre la fameuse petite pâte, pâte à fixe, de la gludotte, les pannes colle qu'il y en a dans les DP. Apparemment, ça tient beaucoup plus longtemps. Donc il est rechargeable, on peut racheter l'intégralité comme moi, là j'ai acheté le kit complet avec des recharges, on peut acheter que le stylo qui est déjà rempli. Voilà, et on peut acheter que les recharges. Voilà. Et après donc on pousse un tout petit peu, ça sort. Voilà. Et ça sort un tout petit peu, mais là fait la mise au point, voilà. Donc voilà, je l'ai acheté, j'ai tenté quelqu'un, pour une fois que je l'ai fait craquer, hein. Voilà, ma petite Valérie qui a craqué 2-3 jours après moi. Voilà. Donc, à tester, je vous dirai ce qu'il en est. Hop là. Donc, voilà pour le premier objet. Ensuite, je vais vous faire voir un cadeau. Donc, d'ailleurs, la coupable, elle s'appelle Miss Valérie, que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres la semaine dernière. Je ne sais plus quand c'est que je l'ai reçue. Ouais, une bonne semaine que je l'ai reçue. La coquine. J'ai dit en visio que je voulais m'acheter des cadres pour faire mes points de croix. Vous voyez, cadre comme ça. Et la chameau, qu'est-ce qu'elle m'a fait en cadeau, hein? Voilà, donc je vous les présente. Voilà, donc il y en avait 4, de 4 tailles différentes. Donc là, c'est sur la Gorgeous Partenariat. La Gorgeous, la fée de Disney, et après j'en ai encore de 2 autres tailles. Donc de quelle taille celui-là, il fait 22 cm, celui-là il fait 7,5, celui-là je crois de mémoire il fait 11, 16, voilà, et 11, voilà. Voilà, j'aime bien les dire, mais voilà. Voilà pour les petits, petits unboxings. Et on va passer au gros unboxing qui me stresse. Alors, je sais que ma belle-sœur et mon beau-frère, ils savent que j'ai une chaîne YouTube. Donc, si vous passez par là, hein, merci de ne rien dire à vos parents. Voilà. Hein, c'est cadeau de Noël. Alors, donc, je viens de recevoir, voyez. L'étal est juste ouvert là.
Oh là 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 là, quand je vois le retour à la caméra, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je vais essayer de vous caler un peu plus près de moi. Bon, après, il est un peu grand le DP, donc du coup, voilà. Voilà, voilà. Et là, donc du coup, je l'ai acheté 25,11 €. Et le nom, c'est Winning Diamond Painting, W-I-E-N-E-N, Diamond Painting. Voilà, je le connais pas du tout. Donc, je peux pas vous donner mon retour. J'ai peur, mais j'ai peur. Ce que je vais faire, attendez, hop, je vais vous mettre là et je vais quand même prendre des photos. Comme ça, s'il y a réclamation. Hop. Hop là. Comme ça, s'il y a réclamation, j'ai mes premières photos. J'ai peur. Oh là là. Alors, je pense qu'il a été ouvert à la douane. Vous voyez ? Bah non, parce que j'ai pas du tout de poche. J'en sais rien. Il a une double étiquette. Je peux vous dire que j'ai peur. Hein. Vous allez me dire c'est pour Noël, Karine. T'as le temps. Réclamation d'en demander un. Mais bon, voilà. On a un tout kit de base. Donc avec la petite coupelle, le petit pan colle que je vous disais et le petit stylet basique. Je pense que je vais me bouffer des rivières de chez Rivière. Voilà. J'ose même pas le sortir. Voilà. Donc la factrice me l'a remis en main propre. Donc c'est à 55 par 75. Donc il est assez grand. J'ai pris le plus grand possible. Je commence à avoir des rivières, je l'ai encore à peine ouverte. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Je vais me le mettre, je vais ouvrir, bien le mettre à plat pour éviter de faire un minimum de rivières. Voilà. Et je vous reprends tout de suite pour la fin de la vidéo. Ce sera plus simple. A tout de suite. Donc, me revoilà. Vous voyez, je suis ici. Donc, pour le moment, j'ai pas de rivière. Si j'en ai, j'ai de la colle qui se décolle. Juste ici. Alors, vous ne voyez pas. C'est juste là. J'ai de la colle qui se décolle. J'ai rien, bien évidemment, pour... péter le problème. Je vais vous faire voir. Vous voyez, je pose carrément sur la toile. À deux endroits, j'en ai ici, ici et ici. Je ne ferai pas de réclamation parce que j'ai pas de rivière là. Quand je l'ai ouvert, j'ai pas de rivière. Par contre, je vais les péter de suite. Est-ce que j'ai quelque chose pour les péter? Du coup, je vous mettrai encore en pause 2 minutes. Non, j'ai rien. Donc voilà, donc c'est un DP personnalisé. Donc Jocelyne, ma belle-mère, mon beau-père Jean-Paul, Philippe, mon mari, Stéphane, mon beau-frère et Florence, ma belle-sœur. Voilà, donc c'est mon mari. Je vais vous rebouger. Voilà. Je me les colle. Alors, elle colle super bien. Voilà. C'est mon mari qui a choisi le fond. Voilà. Moi, j'ai trouvé l'idée. Et c'est mon mari qui a choisi le fond. Moi, j'aurais préféré plus en portrait. Bon, il a voulu comme ça. Voilà. Donc, c'est un petit coucher de soleil au bord de mer. Voilà. Elle a 36 couleurs. Que dire de plus? Bah, moi, je vais...
vous remettre en pause, l'histoire de 5-10 minutes, le temps de péter ces brins de colle ici, de la replier correctement, et comme ça je vais la mettre, je vais l'accrocher tout de suite sur cintre, et comme ça je la mettrai à plat. Et je vous reprends tout de suite pour checker les diamants. Donc on va le faire ensemble, le checkage des diamants. Et là tout de suite, voilà, plus simple. Donc me revoilà, donc bien passé. Je pense que voilà, je serai rassurée quand tout, voilà, elle a bien recollé. Hein. J'ai pété les trois rivières, les trois petits brins de colle et elle a bien recollé. Voilà. Donc elle a 36 couleurs. Donc 55 par 75, c'est des diamants ronds que j'ai pris. Et donc sur la feuille de route, alors on a deux, on a le numéro, on a les symboles sur deux colonnes différentes, la référence DMC, la quantité et le nombre de diamants par sac, le poids. Et je pense la quantité de sacs. On va voir si c'est ça. Il est très 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 bien fait comme tableau. Et là je pense qu'ici c'est la quantité de sacs. Voilà. Donc l'image, vous la voyez de plus près comme ça. Voilà. Du 310, bah oui j'en ai. 939, j'en ai pas. J'ai pas de 939. Voilà. Allez, on va regarder. Désolée pour le bruit. Hop. Alors, je pensais qu'elle avait une... Elle a été fermée, donc il y avait une ouverture. Là. Hop là, un sac de diamants. Voilà. Je vais mettre là. Donc, comment ça se présente? Le 27. Pardon, pardon, j'ai un petit problème. Ah non, ils ont tous écrit 27. Ok. R, ok. Pourquoi 27 R? Bon, 823, je suis censée avoir 7. Alors ça c'est du jamais vu. Voyez. C'est un sac complet. Donc pour contrôler les diamants, ok. Ouais, donc ils ont une drôle de façon. De procéder sur certaines références. Parce que quelle autre référence? Ouais, elles sont comme ça. Ok. Bon. Ouais, bah, j'ai intérêt à la tapis rapido pour la faire rapidement, moi je peux vous le dire. Donc 823, j'en ai 823, je suis censée en avoir 7. Alors, est-ce que 7, 1000, 2000, est-ce que ça, ça fait, est-ce que ça, ça fait 1000? Logiquement, oui. Et bon, on va faire comme ça.
suis quand même perturbée parce que vous voyez, j'ai quand même des petits sacs. Par contre, la qualité du plastique, elle est très épaisse. C'est pas mal comme truc. 517. Je sens avoir 3, j'en ai 4. Donc, ok. Donc ça équivaut à 1000, logiquement. Sans avoir 15 pour 3000 diamants quasiment. Est-ce que là il y a eu un souci au niveau de la machine? Je pense que c'est ça. Il doit y avoir un souci parce qu'on sent là. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Bon, on voit un peu les trucs. Il y a eu un souci. J'en sais rien. 414. Je suis censée en avoir 2100. Ah, c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir un souci d'emballage parce que là, vous voyez, c'est pour fermer avec des petites étiquettes. Ouais. Alors, je peux vous dire que là, je suis en mode très, très, très inquiète. Parce que bah, là, si. Sachant que je vais pas l'attaquer. Je vais attaquer bien incessamment sous peu. Mais s'il y a besoin de faire une réclamation sur un manque de diamants, vous voyez, là j'ai une belle mamelle. Alors franchement, la qualité du plastique qui tient les diamants, elle est super. Franchement, c'est une bonne qualité. Les diamants, ils ont l'air d'être sympas. Bon. 37,66, je sais pas d'avoir 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, j'en ai un de plus. Déjà tout à l'heure, je crois que j'en avais un de plus. Donc ils en mettent un petit peu plus quand même. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, ils en mettent un en général en plus. 38,48. Je suis censée en avoir 800. Donc là, j'en ai qu'un. Je suis perplexe, je sais pas pourquoi je suis un petit peu perplexe. Vous voyez, puis là j'ai un sac zippé. Là c'est pareil, je suis censée en avoir 600. Je suis censée en avoir 5. J'en ai 880 à poser. J'en ai pas 880 là. Ah, par contre, là, il y a 12 pile poil. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Alors là, franchement,
Je reste très perplexe. Parce que 37, j'ai dit combien? 37,65. Beaucoup quand même de sachets mal conditionnés, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, là c'est pareil, c'est franchement alors mon ressenti là tout de suite à l'instant T, l'inquiétude très inquiète, 2, 4, 6, 7 très inquiète parce que là alors, je suis censée en avoir 35 sachets pour 6000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Et c'est bizarre, il n'y a pas de coup de tampon de vérification. Vous savez, ils font des tampons de vérification. Puis il y a un truc qui va pas parce que vous mettez du 1000. Ouais. 310, je suis censée en avoir 30 pour 6000 quasiment, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ouais. Par contre, ma référence 38, 48, je peux vous dire, je les ai, mais je les ai pas. J'ai pas la quantité. Et puis là, j'ai rien fait tomber par terre. Le petit tampon de contrôle qu'on peut retrouver sur comme chez Home Fun, je ne l'ai pas. Alors là, je ne ferai pas de réclamation pour les trois petites rivières. Là, c'est pareil, je suis censée en avoir 9. 9 pour 1624. Ils sont, moi, oui, ils sont généreux parce qu'en général, j'ai à peu près un sachet à chaque fois en plus. 38, 38, 35. Et ben,
Je sais pas si je vous le dis ou pas. Est-ce que je vous le dis ou pas? J'ai fait ma Kinder. Je suis fatiguée. Voilà. Non, donc le compte est bon. J'ai le 38-48, je sais pas pourquoi. Je suis partie sur... je sais pas. Il m'en faut 40 et mon billet a sachet de 200. Voilà. Donc c'est moi qui ai carrément bugué. Pour changer, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, et bah écoutez, pour moi, c'est positif. Positif. Bon, il y a juste cette histoire là de sachet où la machine, elle a pas. Comme je vous ai fait voir au début du check. Voilà, j'ai un peu peur sur certaines références. Bon, après, j'ai du stock de diamants. Hein, comme là. J'ai du stock de diamants, mon Dieu. Oh, pardon. Ah. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. La qualité de la toile, je vous en ai pas parlé, mais elle a l'air d'être bien épaisse. Il n'y a pas de problème. Le petit point négatif, on va dire, c'est l'emballage, mais bon, c'est pas de leur faute, car c'est le transport. Hein, donc pour le peu qu'il a été mis sous un gros colis, voilà. Donc de toute manière, vous allez, je pense, l'avoir assez rapidement dans mes travaux de chaque mois. Car l'objectif est que je finisse ma Star Wars et que j'enchaîne avec elle tout de suite après. Voilà. Comme ça, elle sera faite. Et bien écoutez, pour moi, cette vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi, du matin, de la soirée, de la nuit. Hein, voilà, vous le savez. On se retrouve bientôt. Pardon. Pour de nouvelles vidéos. Unboxing. Il n'y en aura pas hein, de sitôt. Pour le moment, non. Parce que j'ai rien racheté, que je ne rachèterai rien. J'ai juste craqué là pour le cadeau de mes beaux-parents pour Noël, une partie des cadeaux. Et on verra plus tard, j'en verrai d'autres vidéos. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous abandonne et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.